Il est rebelle. Merci. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce moment? Voilà, donc je donne le micro au pasteur Jean-Sian qui va clôturer, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a quelque chose à dire, clôturer ces moments. Et profite aussi de l'occasion pour nous recommander à la grâce du Seigneur. Et à la fin, nous allons donner nos offrandes. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour ce moment? Je suis très heureuse de me trouver parmi vous. Le pasteur Christ, inspiré par Dieu, est vraiment disposé à donner de bons enseignements dont nous avons tous besoin. Et je bénis le Seigneur pour cet enfant, ce fils. Que le Seigneur le remplisse davantage au nom de Jésus-Christ. Un peuple qui n'est pas enseigné est un peuple qui navigue à contre-courant. Si nous ne sommes pas enseignés, nous allons marcher en tâtonnant comme des aveugles. Et c'est ça dont l'Église a besoin. C'est pourquoi souvent, dans vos maisons, dans vos lieux secrets, aimez-le ou priez. Alléluia. Amen. Parce que ce qui est évident, ce qui est sûr, c'est que le diable en a contre lui. Mais notre Dieu qui remporte toute victoire, et ce même Dieu qu'il a choisi, qu'il a établi, qu'il a équipé, et qui continue de veiller sur sa vie, sur la vie de tous ceux qu'il aime, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Et l'enseignement de ce soir ne vous a pas seulement fortifié, nous, vous, mais nous aussi, parce que nous continuons d'apprendre. Alléluia. Le pasteur nous a enseigné que même lorsqu'on est us, on continue d'apprendre. Tant que Jésus-Christ n'est pas venu, nous continuerons d'apprendre. Alléluia. Et j'aime ce cantique, c'est Arnaud Tamba qui chante « Mon papa a beaucoup de noms ». Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui se présente sur multiples formes. Alléluia. Et d'ailleurs, j'aime le premier commandement qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Alléluia. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » Donc, le Seigneur est ton Dieu. Alléluia. Amen. Et pour la petite histoire, lorsque le Seigneur le Seigneur va apparaître à Abraham et va lui demander de ne pas ôter la vie de son fils bien qu'il l'ait demandé. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le nom attribué à Dieu par rapport à cette apparition à Abraham? Abraham va dire, ne touche pas ton fils. Et la Bible nous enseigne qu'un bélier va sortir afin qu'il soit sacrifié à la place d'Isaac. Alléluia. Amen. Dieu a eu un nom. Alléluia. Amen. Comment peut-on appeler ce Dieu? Amen. Ce Dieu a été celui qui a, on va dire, celui qui a pourvu. Celui que nous pouvons appeler aujourd'hui Jéhovah Jiré, le Dieu de la providence. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu le Dieu qui a été avec le peuple d'Israël, les accompagnant dans le désert depuis la sortie d'Égypte et jusqu'à la terre promise. Mais dans le désert, le pasteur Christ nous a tous édifiés sur cela. Lorsqu'ils avaient faim, ils avaient la manne. Lorsqu'ils avaient faim, il y avait la caille. Lorsque. Et la Bible nous a aussi dit que ce même Dieu accompagnait le peuple d'Israël
la nuit comme le jour, ennuyée et en colère de feu. Alors ce Dieu était celui que nous pouvons appeler aujourd'hui Jéhovah Shammah, le Dieu qui est omniprésent. Vous voyez bien que notre Dieu, qui agit en multiples facettes, a un nom bien déterminé. Mais tous ces noms font un seul Dieu. Nous avons appris que Dieu a beaucoup de noms. Jéhovah Tikkenu, notre Dieu de justice, celui qui sait nous défendre. Alléluia. Amen. Nous avons Elohim, Adonai, et avec tous ces noms. Mais tous ces noms font notre Dieu lorsqu'il agit dans une situation bien déterminée dans chacune de nos vies. C'est pourquoi d'ailleurs Abraham, lorsque le Seigneur lui apparaissait et qu'il se manifestait, qu'il agissait dans sa vie, la Bible nous enseigne qu'Abraham élevait un autel. Alléluia. Et lui donner un nom. Amen. Amen. Le Seigneur, il y a quelques mois en arrière, me demandait d'élever quatre autels. Quatre. Il dit, tu vas élever quatre autels. Et je pouvais lui demander, mais quels sont ces autels? Il dit, un, je me suis montré à toi. Alléluia. Deux. Il dit, je t'ai donné mon amour. Maintenant, tu as expérimenté mon amour pour toi. Alléluia. Amen. Trois. Il me dit, maintenant, tu m'as connu. Je paraphrase jusqu'au quatrième hôtel que je vais garder vous. Donc, notre Dieu, ne vous étonnez pas que Dieu se présente à toi et qu'il te dise, bâtis-moi un hôtel que tu vas appeler toi. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Alors Seigneur, nous voulons te bénir ce soir. C'est la preuve, Père, que tu t'es choisi encore des hommes et des femmes pour conduire le troupeau de ton pâturage dans ces temps de la fin. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que Seigneur, selon nos intelligences, selon notre simple connaissance humaine, Seigneur, nous savons que si nous nous contentons que de cela, nous ne parviendrons pas à ce à quoi tu nous appelles. Mais à cause de ton Esprit Saint, à cause de la vocation que tu as mis, Seigneur, en chacun de nous, à cause de ton appel, toi qui appelles et qui équipes, nous voulons te bénir ce soir, Seigneur, parce que nous venons encore de voir la manifestation de ta présence. Tu es Dieu. Tu es grand. Tu es fort et redoutable. Merci Seigneur parce que tu suscites des hommes semblables parce que tu aimes ton peuple. Parce que tu aimes tes enfants, tes fils et tes filles. C'est pourquoi ce soir, au nom de Jésus-Christ, par l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je viens bénir ton fils ce soir. Seigneur, je le bénis au nom de Jésus-Christ. Je bénis ce peuple, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et je bénis tous ceux qui ont entendu ce message. De loin ou de près. Le Seigneur pourrait me montrer que même alors que vous êtes le nombre que vous êtes, mais il y a des gens dans leur maison qui ont entendu.
et que je déclare sauvé au nom de Jésus-Christ. Qu'au temps favorable, mon Père et mon roi, qu'il se lève pour reconnaître que tu as envoyé ton Fils en secret pour établir, pour restaurer, pour conduire, Seigneur, à la voie que toi seul tu t'es fait pour ces vies. Béni soit ton Saint-Nom, mon Père et mon Roi, toi qui commences et qui parachèves. Nous prions que cet endroit soit béni et que tu bénisses le propriétaire qui a permis Jésus-Christ de Nazareth que ton envoyé fasse ton travail en secret. Que tu bénisses sa vie, que tu bénisses ses projets, que tu bénisses sa famille, au nom puissant de Yeshua. Merci pour ta présence. Merci Seigneur, mon Père et mon Roi, pour nos offrandes, mon Père, que nous allons apporter maintenant pour reconnaître que tu es Dieu et que tu nous as abondamment bénis ce soir. Seigneur, l'offrande de nos cœurs, Jésus-Christ de Nazareth, que nous voulons élever à toi comme un parfum de bonne odeur, bénis-la au nom de Jésus-Christ. Alors que nous allons nous séparer, Père, je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous précèdes. Que tu nous environnes de ta grâce, de ta gloire, et que ta haute protection soit à jamais le partage de tout et chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole du Seigneur.